et bienvenue à la série de TEF Campus. Dans l'épisode d'aujourd'hui du TEF Campus, nous allons voir à propos de TEF Canada, surtout expression orale, là à propos d'une section. Il y a deux sections pour expression orale. Section A, vous connaissez bien, il y a quatre épreuves. Compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite et expression orale. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui est dans l'expression orale. Il y a deux sections dans l'expression orale pour 15 minutes. 15 minutes, c'est la durée totale. Section A est pour 5 minutes. Le type de document que vous aurez, ça pourrait être une publicité, sinon une annonce de la vie quotidienne. Dans l'annonce de vie quotidienne, des possibilités sont une offre d'emploi, une offre de service ou bien logement. Il y aurait encore des possibilités de thèmes comme loisirs, demander des informations à propos d'un cours, à propos d'un voyage, à propos des activités volontaires, aventures sportives, culturelles, achats, etc. Vous avez encore et encore. Peut-être si vous voulez, on peut laisser encore des thèmes dans la boîte de description. Voilà, nous avons vu c'est quoi le type de document, c'est quoi l'objectif de cette activité. Il faut obtenir des informations concernant ce document. Les consignes que vous aurez pendant l'examen sont, vous lisez cette annonce et vous êtes intéressé par cette annonce. Vous téléphonez, par exemple, vous allez téléphoner à votre recruteur ici, si c'est une offre d'emploi. Vous allez téléphoner au fournisseur de services, ça pourrait être n'importe quel service, ça pourrait être un cours de guitare, cours de langue comme espagnol, allemand, et puis logement, etc. Vous téléphonez et posez une dizaine de questions à votre examinateur ou examinatrice qui jouera le rôle de votre interlocuteur ou interlocutrice. Voilà, c'est ça à propos de l'expression orale, section A. Nous pouvons voir un vrai exemple avec notre professeur, Madame Myriam. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Myriam. Vous connaissez qu'il y a deux sections. Est-ce qu'on peut commencer par la section A ? Oui, bien sûr. Je lis la question une fois pour vous. Paris, offre spéciale, 15 jours, 14 nuits. Inclut Air France, Montréal, Paris, aller-retour. Petit déjeuner, bagages, visite, musée. Non inclus, repas autre que le petit déjeuner. Dépenses personnelles, infos et réservations. 09 15 15 200 200. Vous avez lu ce document et vous allez me poser des questions. Moi, je vais jouer le rôle de votre interlocuteur. Okay. Est-ce qu'on peut commencer ? Oui. Agence La Concorde, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, donc je vous téléphone pour avoir certaines informations de votre agence de voyage, s'il vous plaît. Oui, comment je peux vous aider ? Voilà, donc est-ce que je pourrais savoir où se situe exactement votre agence ? Nous sommes situés à 14 rue de la Tour Eiffel, à Paris. Ok, très bien. Et depuis combien de temps elle existe, cette agence ? Notre agence a été créée, ça fait 15 ans. Ok, très bien. Vous avez encore des questions ? Oui, exactement. Je voudrais savoir, est-ce que vous aviez un site web pour votre agence ? Oui, oui. C'est www.laconcorde.fr. Ok, très bien. Pourrais-je savoir les offres que vous proposez ? Je crois que vous appelez à partir de notre annonce. Oui, exactement, mais ce n'est pas clair. Je veux encore plus de détails. D'accord. Nous avons une offre spéciale pour aller à Montréal. Ok. C'est Montréal-Paris, aller-retour. Oui. C'est pour 15 jours et 14 nuits. Ok, très bien. Et quels sont les avantages de cette offre ? Cette offre, c'est exceptionnel. Ça vous coûte que 2000 euros. Okay. Et petit déjeuner est inclus. Et sur ce 2000 euros-là, bagages et aussi visite musée, tout est inclus. Ok, très bien. Pour combien de temps est-il valable ? Cette offre est valable jusqu'au 10 janvier. Ok.
La réservation en ligne est-il possible? Oui, il est possible. Vous pouvez réserver sur notre site web. Très bien. Quels sont les moyens de paiement que vous utilisez? Vous pouvez payer par carte. OK. Vous pouvez payer par un virement bancaire. OK. Et vous pouvez écrire un chèque aussi. OK. Est-il possible de payer par tranche? En tranche, pardon, ouais. Il faut payer 2000 euros à la fois. Ok, donc dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait avoir une réduction ou un bon d'achat? C'est déjà une offre, normalement, si, après le 10 janvier, ça serait 4500 euros. Okay. Et si vous allez vous inscrire, si vous allez avoir notre service avant le 10 janvier, vous aurez pour ce prix exceptionnel de 2000 euros. Ok, très bien. Et l'aspect est-il sécurisé? Ça veut dire, est-ce qu'on aura une garantie ou comme une assurance, quelque chose comme ça? Nous sommes une agence très connue et on est là ici dans cette industrie depuis plus de 15 ans. Mmh. Et vous êtes dans la bonne voie. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à propos des conditions d'accès requises concernant le visa et la vaccination, s'il vous plaît? Par rapport à visa, nous pouvons organiser pour vous et nous respectons le nombre de voyageurs, passagers dans l'avion et aussi dans les hôtels. Et nous maintenons la distance sociale, nous suivons toutes les règles du gouvernement parce que la vaccination n'existe pas encore. Ok. Au moins, est-ce qu'il y a une réduction pour les enfants? Pour les enfants, c'est 2000 par personne. Si vous êtes en famille, si vous êtes une famille de 4 personnes, nous pourrions faire une remise de 5%. Très bien, donc c'est tout comme question. Voilà. Très bien, merci beaucoup madame. Merci d'avoir appelé Agence Concorde. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée monsieur, à bientôt. Merci beaucoup madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous venez de voir qu'on a fait ensemble, on a traité un thème, on a fait une offre de service, c'était, on devait demander des questions à l'agence et on pose une dizaine de questions, madame elle vient de poser, je crois que vous avez vu et vous avez compris, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il est possible pour répéter le verbe? Est-ce que vous pouvez préciser la question? Est-ce que votre question, c'est comme répéter la question ou même verbe? Même verbe pour poser encore des questions. Il vaut mieux de ne pas répéter. Par exemple, si vous posez une question comme avez-vous une offre exceptionnelle? Avez-vous une offre promotionnelle? Pour la prochaine question, n'utilisez pas avec le verbe avoir. Utilisez peut-être... Pouvoir. N'importe quel verbe, pouvoir, vouloir, par exemple, je voudrais payer en carte, est-ce qu'il est possible? Là, on utilise le verbe vouloir et aussi le verbe être, est-il possible de payer par carte? Par exemple, si vous avez utilisé le verbe être, il vaut mieux utiliser les autres expressions. Pour dizaines de questions, utilisez la forme conditionnelle présent. Et aussi subjonctif s'il est possible. Par exemple, est-ce que vous voulez que nous payions en avance? Est-ce qu'il est possible de? Ou bien, vous utilisez une fois le verbe être de plus infinitif et puis vous pouvez utiliser une obligation que plus subjonctif. Ouais. Vous avez d'autres questions? Et c'est combien de temps pour préparer? Combien de temps est-ce que vous connaissez? Je pense 15. 15 c'est au total. Je suis sûr que c'est 15 minutes. C'est 15 minutes pour deux sections. 5 minutes pour section A, 10 minutes pour section 2. Séparation, séparation. 15 minutes au total. 15 minutes, au total 15. C'est pas possible, non? Pour lire le document, après préparer, après poser. 15 minutes, deux documents. Mm-hmm.
Pendant le tournage de cette vidéo, nos étudiants nous ont posé la question combien de temps est accordé à un candidat pour préparer pendant l'examen de l'expression orale. Avec notre partenaire à Paris, nous sommes allés en visioconférence avec CCI Paris et c'est ça la réponse qu'on a reçue de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Je vais vous lire ce courriel pour vous. Ils ont répondu en anglais, mais quand même je vais vous lire en français. Comme l'expression orale a l'objectif de recréer une vraie interaction, il n'y a pas de temps accordé au candidat. Alors, on n'a pas de temps pour préparer pendant l'examen. L'examinateur donne au candidat le thème, section A, qui est pour 5 minutes. Il ou elle lit le thème. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Et puis, l'examinateur rassure que le thème est bien compris par le candidat. Et puis, l'interaction commence. Ils font la même chose pour le deuxième thème aussi, section B, qui va durer pour 10 minutes. Malheureusement, il n'y a pas de temps accordé pour la préparation pendant l'examen de l'expression orale. Alors, il faut une bonne préparation. Il faut être bien spontané. On doit apprendre bien parler couramment en français. Si vous avez des questions par rapport à des examens TEF Canada ou TEF Accès au Québec ou n'importe quelle chose par rapport à la langue française, n'hésitez pas à nous poser dans les commentaires. Nous allons vous répondre soit en commentaire ou bien on fera une vidéo s'il est nécessaire. Merci beaucoup.